Avec Macron, le despote, le top de crème. On nous tire, règne en force. Manu, colère. Victor Le Tal. Il n'y a pas moyen.
Blanco. Le dernier bouquin ? Oui. Ah, on le lit pour savoir comment ont été élus nos énarques. C'est l'école alsacienne, c'est une pourriture cette école. Il n'y a que des gens très très riches qui rentrent ou des magouilleurs. Et Branco était dans cette école, avec un pote à Macron. Et il raconte comment ça s'est passé du début à la fin. On apprend des choses terribles. Il faut le lire ce bouquin, il est gratuit sur internet. Alors il a dit que le livre c'est un peu plus fini, un peu plus truc, mais bon, le... Il déjà le plus. Mais le livre, si on veut noter, il donne toutes ses sources. Et a priori, il n'y a pas eu de... Je pense il est assez doué. Voilà, parce qu'il y a des gens qui sont pas d'accord, ce qui dit c'est pas vrai. En plus, il est... Il est l'avocat des Gilets jaunes. C'est la peine de faire de visite si vous paraissez. C'est vrai qu'il en a une période quand même pour penser que. Parce que bon, à un moment donné, je pense dans le milieu, tout ça, en fait. C'est parce qu'il est cru. C'est à lire. C'est pas vrai, je pense qu'il y en aurait porté plein. De toute façon, si ça n'avait pas été vrai, ils seraient en prison parce que il faut voir ce qui sort. À tous les noms, la Brigitte, elle est pire que Macron. Dès 2014, ils savaient que Macron s'est réélu. On avait ses copinages, ils savaient qu'ils allaient faire écrire, élire Macron parce que Macron, c'est un pantin. Macron, c'est une merde. À lire ce livre, ça vaut la peine. Oui, parce qu'en fait, compte. Il parle d'Arnaud, il parle de Lagardère, il parle de tous ces gens-là qui ont eu de l'argent public pour des arts. Pour les arts, la veuve, pourrait les faire. Et même du temps des gens de la gauche, hein, on parle de tout. C'est pas de maintenant seulement. Ratique, la tête et son nom. Ratique, la tête et son nom. Crépuscule JB. Crépuscule JB, c'est Juan Branco. JB, J, c'est Juan en espagnol. Jean. Juan Branco. Juan Branco.